la conférence a décidé de confier la présidence en exercice à son Excellence le capitaine Thomas Sankara. Président du Conseil national de la Révolution, président du FASO, chef de l'État. Cette présidence que vous nous confiez est-elle pour nous dire de présider passivement à l'agonie et à la mort sans espoir de résurrection de la CAO? Nous contentant de rendre compte de ces différentes étapes et assumant la responsabilité de l'échec face à nos peuples et face à l'histoire, est-elle pour nous doter des pleins pouvoirs qui seuls peuvent nous autoriser à administrer une thérapeutique de choc, c'est-à-dire une chirurgie sans anesthésie à la CAO? Sans tuer le malade, il faut tuer la maladie et radicalement. Nous osons penser qu'il s'agit incontestablement d'une mission fondée sur la confiance que vos peuples placent en la révolution burkinabé. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité et nous n'hésiterons pas une seconde pour mener une lutte intransigeante et sans compromission contre toutes les gangrènes et les mauvaises herbes qui ont transformé la CAO en navire sans commandement, livré aux caprices et aux humeurs d'une camarilla de truands profondément convaincus de leur impunité. Pour ce faire, un engagement solennel a été pris. Le peuple burkinabé tout entier œuvrera pour la réalisation de cet engagement, car il a été pris en notre nom à tous. Nous prenons l'engagement solennel devant tous les peuples des États de la CAO que nous leur présenterons dans un an. Soit un acte de décès, soit un acte de naissance, de nouvelles conditions pour l'évolution. Pour l'évolution d'une communauté débarrassée du laisser-aller et du laisser-faire antérieur. Là-dessus, il n'y a aucune illusion à se faire. Notre crédibilité et notre dignité nous imposent de respecter scrupuleusement les engagements souscrits auprès de nos partenaires financiers. Il nous reviendra de savoir mériter leur confiance par notre humilité, l'austérité dans notre train de vie et notre rigueur dans la gestion quotidienne des finances qu'ils mettront à notre disposition pour la réalisation des projets en cours ou à venir. À travers les articles de presse, l'opinion internationale, nos peuples et nos amis sincères de par le monde ont appris qu'au moment où l'ignorance, la faim et la sécheresse sévissaient de plus belle dans nos pays, une bande de joyeux copains et de coquins empilaient nos milliards sous le paillasson dans un scénario digne de celui d'un feuilleton à scandale. Mais que l'on se rassure, nous en rechercherons les coupables et pour cela, nous ne nous laisserons point divertir dans l'espèce de colin maillard dans lequel on tente de banaliser le crime et de laisser fuir le criminel. À travers la douloureuse affaire de nos fonds volatilisés ou subtilisés, il importe de comprendre que c'est la crédibilité de nos pays et de nos peuples, le sérieux et la respectabilité de nos États, notre capacité à oser extirper nous-mêmes nos propres cancers qui sont à l'ordre du jour. Mais les travailleurs honnêtes doivent être rassurés, car le paradis de la CAO ne sera désormais vécu que par ceux-là qui se mettent au-dessus des tentations avilissantes. Fini la gabégie, fini les vacances payées aux frais de la reine, fini les villas luxueuses acquises sur le dos des masses populaires, adieu les maîtresses entretenues à grands frais. Désormais, seul le travail créateur et libérateur sera payé et non les titres universitaires.
Les cadres de conception, surtout, se doivent de réfléchir profondément aux défis que leur peuple leur lance dès aujourd'hui. Devront-ils continuer à n'être que des consommateurs passifs des fruits de la réflexion, des recherches, de la créativité, des inventions des autres? Ou alors, sont-ils prêts à se reconvertir profondément pour devenir de vrais inventeurs de l'avenir des peuples? C'est Albert Einstein qui affirmait très justement que Dieu est un savant, pas un magicien. Il s'agit présentement de le prouver, en comprenant que votre bonheur ne se calculera plus en nombre de comptes privés ouverts dans les illustres places financières internationales, apparemment au-dessus de tout soupçon, ni en nombre de villas luxueuses, de maîtresses entretenues aux frais de la reine, etc. Autant de pratiques honteuses et indignes que des responsables issus des zones les plus pauvres et les plus démunies de la planète. C'est votre capacité d'invention scientifique qui vous sera désormais rémunérée et non plus votre art à jongler en bon magicien pour vous fabriquer des millions de francs sur le dos des masses populaires miséreuses, illusionnées et mystifiées par vos seuls diplômes et vos seules références universitaires. Le président du FASO devait ensuite stigmatiser certaines pratiques des huis clos des chefs d'État et appeler l'ensemble de la communauté à réfléchir sur le train de vie de l'institution qui insulte la misère de nos peuples. Les faits sont là, objectifs et têtus. La CAO est plongée dans la crise la plus profonde de sa première décennie d'existence. Le traité instituant la CAO et ses protocoles annexes a été trituré et falsifié par des modifications successives, intempestives, opérées frauduleusement en abusant chaque fois des huis clos des sommets du chef d'État. À présent, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, redonnons confiance à la CAO. Arrachons-la de son train de vie actuel qui insulte la misère de nos peuples. Faisons du système de la CAO et principalement de son siège à Ouagadougou une ruche où chaque abeille laborieuse, aux ordres d'une direction industrieuse, volant au-dessus du chauvinisme et des appétits égoïstes, réussira à la doter de ce miel auquel nous avons légitimement droit.